Bonsoir à toutes et tous, merci d'être là nombreux ce soir sur la page Facebook de Val de Reuil pour suivre cette conférence qui a été annoncée depuis plusieurs jours déjà, conférence qui concerne le sport, ma santé au quotidien, c'est son titre. En tous les cas, conférence qui s'inscrit en pleine semaine olympique et paralympique, et alors que Val de Reuil est depuis quelques mois déjà terre de jeux 2024 et a été choisie comme centre de préparation aux Jeux olympiques que la France accueillera dans 3 ans maintenant. Val de Reuil, ville de sport, ville sportive, ville qui sait aussi que le sport peut guérir. Ce sera le cœur de nos échanges ce soir avec, vous avez vu leur nom défiler, le professeur Saillant, Valérie Fournéon et Émilie Gomis notamment. Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions via le chat sur la page Facebook et on tentera de répondre à un maximum d'entre elles. Avant cela, je vais accueillir monsieur le maire, Marc-Antoine Jeannet, maire de Val de Reuil. Monsieur le maire, merci et bravo d'avoir organisé cette conférence pendant cette semaine olympique et paralympique. Pourquoi ce choix, simplement ? Bonsoir. Ce choix pour plusieurs raisons. D'abord parce que je porte au cœur, comme d'autres, la difficulté qu'il y a eu à choisir Paris 2024. J'ai fait partie 4 fois d'équipes de sélection à titre professionnel. 2 fois, nous avons perdu avec Bertrand Delanoë. 1 fois avec Annecy, pour Annecy, dans des conditions terribles en Afrique du Sud, et le bonheur de gagner avec Anne Hidalgo. Voilà, j'avais envie que ça continue de vivre et de se transmettre cette idée de faire une dynamique qui aille du global au local, que nous ayons un peu de ce manteau d'or qui est celui des Jeux dans une petite commune de Normandie. Et puis, ben, les Jeux, c'est un accélérateur de numérique, d'écologie et de sport. Et de pouvoir parler avec des gens qui sont aussi remarquables que le professeur Saillant, mon ami Valérie, que j'appellerais volontiers 4M parce que médecin, elle a été maire de la grande ville, pour nous il y a une grande ville à côté, ministre et marraine d'une course de femmes ici à Val-de-Reuil. Et donc, et évidemment, Émilie Gomis, qui passe son temps ici ou pratiquement chez nous, elle animait un club de basket il n'y a pas très longtemps, elle motivait, elle était dans une école cette semaine pour parler des Jeux, le docteur Bouaz. Donc, être bien environné, être dans le souvenir des Jeux et pouvoir faire en sorte ensuite que ces Jeux, par la santé, puissent améliorer le sort d'une commune et de sa population, c'était de bonnes idées. C'est important pour vous, on l'a dit, d'exister ainsi. Vous avez des infrastructures qui sont faites pour accueillir les athlètes en préparation et pour justement infuser cette idée de sport auprès de votre population, des enfants jusqu'aux personnes plus âgées. Val de Reuil, c'est une ville sportive parce que ça a été une ville jeune. C'est la dernière commune née en France à partir de rien, une commune créée ex nihilo. Alors évidemment, en termes de gymnase, de stade, de piscine, mon prédécesseur était Bernard Amsalem, président ancien de la Fédération française d'athlétisme. Nous avons une fibre sportive, nous avons une âme sportive, nous avons une généalogie sportive. Et donc, il ne faut pas s'étonner que ce soit un des coins de Normandie où on puisse pratiquer, bien moins qu'à Rouen, mais quand même, un certain nombre de disciplines dans de nombreux clubs, qu'il y ait un grand nombre de licenciés. On a 15 000 habitants et pratiquement 4 000 licenciés. Et puis qu'il y ait, comme vous l'avez dit, un plateau sportif dont le plus beau fleuron, c'est le stade Jesse Owens, un stade couvert intérieur avec une piste de 100 mètres. Il n'en est pas tant en intérieur, qui fait qu'il y a une espèce d'exigence. Le sport, ça doit nous concerner. La santé, une ville jeune, ça nous concerne. Le sport et la santé, de nous concerne bien évidemment. Effectivement, le sport, il est au cœur de la politique que vous menez. Val de Reuil, la ville des 3 S, je l'ai lu en tout cas, le sport, la santé, la solidarité. Et je crois que la thématique de ce soir, elle est vraiment orientée autour de ces 3 thématiques-là. Oui, et puis, ça, le docteur Bourrez, qui est un des médecins phares de la ville, ils sont tous phares, docteur, sur ça je vais me mettre mal avec vos collègues et confrères, mais néanmoins, c'est que dans une ville qui a le revenu le plus pauvre de la Normandie, on dit parfois, c'est au cours des comptes qu'il dit, la 14e ville la plus pauvre de France, mais en même temps une ville dynamique, une ville qui s'en sort, les pathologies, la sédentarité, en même temps la jeunesse, parfois une éducation qu'il faut parfaire, implique que la santé passe par des messages positifs. Et ce message positif d'allier le sport, qui évidemment dans une population jeune, quels que soient les sports, de combat, d'équipe individuelle, amateur ou de compétition, séduit, plaît, de passer les messages de la santé, c'est une bonne chose, c'est une chose importante, et ça l'est plus encore dans une ville qui est souvent un peu enfermée en elle-même, et que, évidemment, la période que nous traversons n'est pas à ouvrir, à aérer, à faire en sorte qu'elle sorte de chez elle. Et donc, vous venez tous expliquer, illustrer, convaincre, et j'en suis très reconnaissant. C'est pour ça que c'était bien que ce soit ici, à mon avis. Une population, monsieur le maire, j'imagine, qui a hâte de retrouver ses équipements aussi pour,
pouvoir le pratiquer ce sport parce que c'est un peu paradoxal, mais pendant cette pandémie, c'est un peu compliqué de faire du sport. Exactement. Terre de jeu, c'est pouvoir s'ouvrir à d'autres équipes qui viendraient ici préparer les jeux et nous ne pouvons pas nous préparer nous-mêmes. Nous neutralisons des terrains de basket, nous fermons des piscines, nous interdisons des stades. Tout ça est un peu navrant quand on a le plateau sportif que l'on a. Se préparer, accueillir des équipes du monde entier, espérer qu'on sera à un endroit avec le bassin d'Aviron, avec le stade Jesse Owens, ou avec un grand nombre dont on refait la piste d'athlétisme. Et puis, en même temps, nous enfermer en ce moment, c'est un peu paradoxal. On s'ouvre à tous les autres, on s'ouvre au monde, et on se referme dans la ville. Donc, sport et santé, vraiment un message important. Je crois que nous en avons besoin en ce moment. Du sport pour la santé pour être sportif. Merci beaucoup en tout cas Monsieur le Maire pour ces quelques mots en introduction de nos échanges. Vous intervenez évidemment dès que vous souhaitez et moi je vais donner la parole désormais eh bien, au professeur Gérard Saillant, président du cerveau et de la moelle épinière, spécialiste de la médecine sportive, Valérie Fourneyron qui est avec nous également aujourd'hui, ancienne ministre des Sports, présidente de l'autorité de contrôle indépendante de l'Agence mondiale antidopage et à l'origine du sport sur ordonnance il y a quelques années maintenant. Émilie Gomis est avec nous depuis la Norvège ce soir, vice-championne olympique de basket, c'était à Londres. Elle était une braqueuse, elle est toujours une braqueuse d'ailleurs, championne d'Europe aussi, toute jeune retraitée. Elle va nous en parler et puis on accueillera tout à l'heure pour un focus vraiment sur votre ville de Val-de-Reuil, le docteur Thomas Bourès qui est lui eh bien, en charge du sport sur ordonnance, en tout cas de lui aussi à l'origine de ce dispositif dans cette ville. Valérie, je vais peut-être démarrer avec vous et avec cette tribune que vous avez co-signée dans le journal du dimanche, c'était le 23 janvier dernier avec le collectif pour une France en forme. Une France en forme, selon vous, c'est avant tout, j'imagine, une France qui bouge. Oui, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous écoutent. Merci à Marc-Antoine Jamais pour son invitation à participer à cette conférence à l'occasion et au cours de cette semaine olympique et paralympique. Oui, je fais partie de ce collectif, comme Gérard Saillant, pour une France en forme, qui accompagne finalement Paris 2024 à porter cet héritage pour notre pays, pour un pays qui finalement bougerait plus. Parce que la situation n'est pas bonne, et c'est ce que nous avons voulu dire dans cette tribune, il y a urgence, aujourd'hui. Il n'y a plus d'excuses à pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Pourquoi ? Parce qu'on est à la fois dans une période où l'activité physique a diminué et où la sédentarité a augmenté. Et puis la crise effectivement sanitaire que nous traversons n'a fait qu'aggraver ces éléments. On combine à la fois une activité physique qui est insuffisante, 80% des enfants qui devraient faire une heure par jour d'activité physique ne le font pas. Et plus de la moitié des adultes qui devraient faire au moins 150 minutes, selon l'Organisation mondiale de la santé, ne le font pas non plus. Et on a aujourd'hui donc à la fois, je veux dire, on se transforme un peu, excusez-moi, mais en chaise. On a tendance à se transformer en chaise. On passe des heures et des heures, comme nous ce soir, assis sur une chaise. Et on sait qu'à partir de 8h, 9h, il y a une augmentation très importante de la mortalité. Et puis, cette activité physique, elle doit être aussi très régulière. Parce qu'on peut finalement faire 3 heures par semaine d'activité physique. Si on passe 12 heures par jour sur sa chaise, eh ben, on n'aura pas de bénéfice suffisant. Et ce qui est bon pour le corps est en plus bon pour l'esprit. Et c'est ce qu'on a montré à cette occasion et dans cette tribune avec un certain nombre d'études scientifiques. C'est que, par exemple, chez l'enfant, on sait que s'il n'y a pas assez d'activité physique, s'il passe des heures devant son écran, on aura à ce moment-là des risques pour la santé. Les parents en sont conscients. Ils sont conscients aussi des bienfaits de l'activité physique jusqu'à une certaine limite. Ils ne se rendent pas compte que des enfants qui ont cette activité physique régulière, qui sont moins sédentaires, sont des enfants qui apprennent beaucoup mieux. Vous vous rendez compte qu'il y a une étude qui a été faite par le professeur Martine Duclos, qui est avec nous également dans ce collectif, a montré que pendant le confinement, pendant cette année difficile que nous venons de traverser, des enfants ont perdu 40% de leurs facultés cognitives, c'est-à-dire de connaissances, de relations, de mémoire, de déduction. Donc, cette méconnaissance aussi de cette gravité qui nous attend si on laisse comme ça
continuer finalement cette sédentarité qui ne fait que croître, ces heures d'écran qui ne font qu'augmenter, ces enfants qu'on conduit à l'école avec la voiture, ces activités finalement à la maison domestique qu'on fait évidemment de moins en moins. Et donc, on a vraiment voulu dire qu'il fallait inverser cette tendance. Et le premier élément, le premier endroit où on doit inverser la tendance, c'est l'école. C'est l'école, et c'est pour ça que Paris 2024 et le ministère de l'Éducation nationale, à l'occasion de cette semaine, ont lancé un appel à manifestation d'intérêt pour toutes les écoles en France qui veulent y répondre, pour qu'il y ait tous les jours, en école primaire, 30 minutes d'activité physique. On y reviendra effectivement dans quelques instants sur l'école et l'importance de bouger pour les enfants notamment. Professeur Saillant, cette France qui bouge, ce n'est pas nécessairement une France qui fabrique des champions, même si on aime bien en avoir et on est content d'avoir Émilie avec nous. Qu'est-ce qu'une activité physique pour vous et qui est concerné? J'imagine que vous partagez assez le point de vue de Valérie. Oui, bonjour à tous. C'est sûr que la France a des champions olympiques, des champions du monde, etc. Mais la France n'est pas sportive. Et je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo entre les deux. Et quand vous faites du sport, vous faites de l'activité physique. Mais vous pouvez également faire de l'activité physique sans faire du sport. La vie de tous les jours, c'est une activité physique. Si vous allez acheter le pain à pied au lieu de prendre votre voiture, si vous montez 3 étages systématiquement par l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, je ne parle pas de ceux qui prennent l'ascenseur pour descendre, c'est encore pire, mais quand Valérie parle de 30 minutes par jour, c'est vraiment le minimum du minimum. 30 minutes par jour, ça représente 2% de notre activité. Or, nous avons par exemple 33% de notre vie au lit, où on dort 8 heures par jour ou à peu près. Donc, je pense qu'il faut bien faire passer le message que de même que sur les paquets de cigarettes, vous avez fumé tue, je mettrai de façon pour être provocateur sur chaque chaise, la chaise tue. Et donc l'activité physique, tout le monde peut la faire. Et effectivement, on n'a pas d'excuses, même avec le confinement ou à cause du confinement. Je pense qu'il faut au moins avoir ces 30 minutes par jour et une heure chez les enfants. C'est le minimum du minimum et tout le monde peut le faire, quel que soit l'âge. Les enfants, c'est essentiel. Mais les personnes âgées, c'est également très, très important. Car la France se targue d'avoir le record du monde de l'espérance de durée de vie. Quand vous comparez avec les pays scandinaves, eh bien, eux, ils ont le record du monde de l'espérance de qualité de vie en bonne forme. Et ça, c'est tout à fait différent. On n'est pas là pour vivre 100 ans. Si on est complètement invalide et gâteux à partir de 70 ans, on est là pour vivre le plus longtemps possible jeune. Et ça, ça commence dès le plus jeune âge. Ce que vous ne faites pas avant 15 ans, vous ne pouvez pas le rattraper après. Et c'est 30 minutes par jour, c'est quotidien. Ce n'est pas 2 heures de sport le week-end, c'est bien, mais ça n'a aucun rapport avec 30 minutes par jour. C'est comme si vous me dites, eh bien, je ne me lave pas les dents toute la semaine, mais le week-end, je me lave pendant 1 heure les dents. Ça ne sert à rien. C'est aussi stupide et aussi bête que cela. Mais le parallèle est sans doute le bon pour comprendre l'importance. Pour info, je me suis levée. Hein. J'ai poussé ma chaise et je suis debout désormais pour animer avec vous cette conférence. Émilie, merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, un joli palmarès, 194 sélections en équipe de France, une retraite assez récente. Mais Émilie, vous êtes toujours licenciée en Norvège où vous vivez désormais. Alors la retraite, d'accord, mais du sport, toujours du sport. Et pourtant... avec un corps qui demande du repos maintenant. Alors, pourquoi continuer encore aujourd'hui? Alors, je vais être honnête avec vous. J'ai pensé comme pas mal d'athlètes en me disant en fin de carrière, je vais arrêter le sport totalement parce que j'en ai marre, je suis fatiguée, on en a marre de s'entraîner 2 fois par jour et de ne pas avoir le temps de récupérer. Et il y a toute... on va dire, cette pression qui nous donne envie de tout arrêter. Ça, c'est vrai sur un temps. On a plaisir sur les premiers mois en fin de carrière d'arrêter totalement le sport, puisque le corps le demande. C'est vrai qu'on pousse énormément
notre corps à l'excès. Donc, on a ce moment, on va dire, de plénitude où on est dans le repos total et les premiers mois sont très, très bons. Je pense qu'on en a besoin après 20 ans de carrière. Et puis après, il y a cette deuxième phase qui amène des petites douleurs. On est un peu affaibli, on a un manque de motivation, on ne se reconnaît plus physiquement puisqu'on a eu l'habitude de bouger. Et du jour au lendemain, le corps nous rappelle que bah, ça fait plus de 20 ans que tu bouges, donc il faut que tu continues à bouger en fait, et que tu ne peux plus te mettre au repos totalement. Je passe du tout au rien en fait. Et ça a été un choc pour moi, sachant que j'ai quelques problèmes d'arthrose du genou dû à mes entraînements répétitifs. Donc, ces problèmes d'arthrose m'ont tout simplement en fait montré que l'activité physique était hyper importante, bouger était hyper important et de rester mobile à la maison à rien faire n'était pas spécialement une bonne chose. Et ça m'a aussi rappelé qu'en fait, le sport de haut niveau que j'ai pu pratiquer n'était pas simplement un sport, en fait, c'était un mode de vie que j'avais, même s'il était à l'excès, mais c'était un équilibre chez moi qui était important. Et ce constat-là m'a amené à me dire bon, bah, Émilie, il va falloir peut-être que tu reprennes un petit peu le rythme. Et donc, c'est pour ça qu'en Norvège, je me suis rapprochée d'un club afin de prendre une licence que j'ai toujours fait depuis l'âge de 9 ans. J'ai toujours eu une licence et j'ai continué en fait à garder ce lien aussi avec les autres personnes, parce que la situation du Covid à l'heure actuelle m'a un petit peu, comme tout le monde, restreint au niveau de la mobilité. Et là, le fait de pouvoir me rapprocher d'un club, de garder ce lien social aussi, m'a permis, voilà, de rester en bonne santé mentale et physique. On y reviendra dans quelques instants sur l'importance de ce lien social, du mental aussi et du moral qu'il y a derrière la pratique d'un sport, et notamment la pratique d'un sport co. Valérie Fourneron, je reviens vers vous avec cette tribune, et vous en avez parlé tout à l'heure, qui encourage à pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique par jour, mesure qui a été reprise, vous l'avez dit, dans le cadre cette semaine, qui a été lancée dans le cadre de la semaine olympique et paralympique à l'école. Vous diriez-vous que cette sédentarité là qui s'installe, qui est de plus en plus importante, c'est une bombe à retardement pour les jeunes? Est-ce que c'est aussi grave que ça? Oui, c'est une bombe à retardement pour les jeunes aujourd'hui. Vous savez, on est un peu comme la situation il y a quelques années sur le tabac. On a vu se développer, génère de plus en plus de fumeurs, et puis il a fallu des années pour qu'on s'aperçoive que le tabac effectivement tue et que l'un est extrêmement dangereux. Et ben, on a un peu, je prends un autre exemple. Il nous a fallu quand même des années pour prendre conscience tous ensemble, je veux dire, des risques et des éléments négatifs du réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, il ne faut pas qu'on attende, parce qu'en plus, on peut agir. C'est-à-dire qu'on peut inverser, ce qui n'est pas toujours facile avec tous les enjeux de société. Là, c'est un enjeu où on peut inverser dès maintenant si, effectivement, on passe d'une société sédentaire comme elle l'est et de plus en plus sédentaire comme elle l'est à une société plus active. Et c'est vrai que c'est tout l'enjeu de Paris 2024, de se dire, eh ben, il faut qu'on soit finalement le moteur. Et quand on a interrogé les Français, quand Paris 2024 a interrogé les Français il y a quelques jours pour demander, est-ce que Paris 2024, les Jeux Olympiques à Paris, pourraient être ce moteur pour bouger plus, pour une France où il y a plus de sport dans son quotidien, il y a encore plus de 30% des Français à convaincre. Donc, on a du travail, mais je crois qu'on a vraiment besoin d'insister. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce qu'a dit Émilie tout à l'heure, qui est extrêmement important, c'est mon mode de vie, mon équilibre. Et bien, aujourd'hui, il faut donner très tôt aux jeunes, à l'école, ce plaisir, cet équilibre. Et là où les professeurs des écoles le disent très bien, parce que cette opération de 30 minutes en primaire a été démarrée dans un certain nombre d'académies, eh bien, les enfants sont plus enthousiastes.
ils apprennent mieux, ils sont plus heureux de vivre, ils sont moins refermés sur eux-mêmes. Ça n'a pas tous les atouts, le sport, même si on est tous ici des passionnés. Mais c'est vraiment extraordinaire sur le plan de l'équilibre. Et donc, donner ce plaisir pour que dans la vie, les enfants, les plus jeunes, aient envie de continuer pour pouvoir donc garder cet enthousiasme et en même temps, bien sûr, leur capital santé. Oui, bombe à retardement, car toutes ces maladies chroniques qui sont chez nous et qui, chez nous, c'est environ 11 millions de personnes, maladies chroniques, ben, quand vous regardez ces maladies chroniques, beaucoup ont des facteurs de risque qui sont liés à la sédentarité. Émilie, c'est le sens de votre engagement aussi auprès des plus jeunes, lutter contre cette sédentarité. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez conscience à l'âge des enfants à qui vous parlez? Est-ce que c'est venu avec le temps? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur partagez? Je crois que vous avez participé cette semaine à la semaine olympique et paralympique, justement, dans une école de Val-de-Reuil. Oui, alors moi, j'ai pu constater, en fait, tout simplement dans mon entourage, hein, je suis issue d'une famille nombreuse et j'ai des neveux et nièces, et cette nouvelle génération, que j'appelle aussi la génération Paris 2024, très attirée vers, on va dire, les nouvelles technologies et qui les incite davantage à la sédentarité, tout simplement, quoi. Ils bougent très peu. Je me souviens, à mon époque, on était tout le temps dehors, on était hyper actifs et là, je vois en fait le changement qu'il y a par rapport à la nouvelle génération au sein de ma famille. Et c'est de plus, la population actuelle, comme l'a dit Madame Fourneyron, il y a 80% d'enfants qui bougent moins. Donc, c'est pour toutes ces raisons, et en tant qu'athlète de haut niveau et ambassadrice de Paris 2024, il me paraissait en fait important d'éveiller les consciences, hein, tout simplement, des jeunes à la pratique d'une activité physique, et surtout pour cette nouvelle génération, pour Paris 2024, tout simplement. Et j'ai décidé de créer mon association Tous Égaux par le Sport, afin de lutter contre la sédentarité et l'inactivité physique. Et en développant des événements autour du sport pour les jeunes, notamment durant la SOP, la semaine olympique et paralympique, et profiter aussi de la journée olympique qui est le 23 juin, si je ne me trompe pas, et pendant les grandes vacances aussi, parce qu'on s'est rendu compte que même ceux qui avaient une licence en club, on a des grandes vacances. Et la plupart des personnes dans le basket me demandaient des camps pour continuer à être actifs parce que le sport les manquait. Alors, je me dis, si les licenciés sont dans une demande forte de pouvoir continuer à bouger pendant l'été, qu'est-ce qu'il en est des gens qui ne pratiquent pas du tout d'activité pendant l'année? Donc, c'est aussi de proposer des solutions pour leur permettre de bouger et puis aussi un moment de rencontre et de sensibilisation durant ces camps. On rappelle le nom de l'association, Tous Égaux par le Sport. Émilie, ouais, pour avoir les infos sur les événements, etc., on fait comment? Alors, c'est pour passer par Résibantou qui a organisé cet événement de visioconférence. Et les infos seront prochainement, en fait, sur mon futur site internet. Mais à l'heure actuelle, nous travaillons en collaboration avec la collectivité, le GDOS. Et c'est avec eux qu'on échange pour cet événement. Donc, il faudra passer par le GDOS directement. Voilà, restez à l'affût, hein, il y aura des infos prochainement là-dessus. On a une question de quelqu'un qui nous écoute, probablement quelqu'un qui habite Val-de-Reuil, avec ses gymnases fermés, ce couvre-feu à 18h. Est-ce que vous auriez des conseils peut-être pour faire du sport autrement, faire du sport autrement à ses enfants quand les clubs ne peuvent plus les accueillir? Alors, qui veut répondre? Est-ce que quelqu'un a une idée sur cette question? Valérie, professeur Saillant, Émilie, faire du sport autrement sans structure, sans gymnase forcément, sans club malheureusement.
Je peux répondre. Alors, faire du sport autrement, sans matériel, sans avoir besoin d'aller dans une salle de sport, à force d'être confiné, on finit par trouver des plans B. Donc, moi, je suis rentrée dans du yoga maintenant. Donc, ça me permet aussi de faire quelques petits assouplissements. Mais avec une chaise, on peut faire énormément de choses. Des squats, se lever, s'abaisser, se lever. Et on peut aussi, en faisant le ménage, ça a l'air tout bête, hein. Sincèrement, ça a l'air vraiment bête, mais je peux vous assurer que faire le ménage, ça fait bouger. On n'est pas là en train de parler de sport ou de performance, mais des petites choses qui, moi, me permettent, de garder la forme. Si ça marche sur une athlète de haut niveau, ça marchera sur quelqu'un qui n'a jamais fait de l'activité physique. Moi, ça me permet vraiment de garder la forme en faisant des petits mouvements, juste bouger à la maison, ne pas rester trop longtemps assis, parce que j'ai aussi constaté que c'est vrai qu'en étant confiné, on passe beaucoup de temps sur le canapé et malgré que je puisse m'entraîner dans mon club, parce qu'en Norvège, on a encore accès aux salles, comme Madame Fourniron le disait tout à l'heure, si on reste trop longtemps assis, même si on fait une activité physique une à 2 semaines pendant une heure à 2 heures par semaine, si on reste trop longtemps assis, ça a quand même des conséquences en fait quoi sur le physique. Donc moins on reste longtemps assis, plus on bouge, mieux c'est. Professeur Non, non, je crois déjà que Émilie a tout à fait raison. En dehors du confinement, quand vous avez une fille qui a entre 8 et 14 ans, elle passe 6 heures par jour devant un écran. 6 heures par jour. Donc vous imaginez lors du confinement comment ça se passe. Et je crois que, comme on l'a dit dans la tribune dont parlait Valérie, il n'y a pas d'excuse pour faire ou du sport ou une activité physique. Le ménage, à condition d'ouvrir les fenêtres et de bien aérer, c'est évident dans les mesures barrières, Oui, mais mais pour les enfants, également. c'est peut-être un peu limite, le ménage. C'est pas toujours évident quand même, hein. Non, non, mais on peut faire de la marche, on peut faire de la course à pied, on peut faire du vélo, on peut jouer avec une raquette en bas de l'immeuble contre un mur, on peut taper dans un ballon. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'activités qui sont possibles. Elles ne sont pas toujours aussi ludiques dans la mesure où les sports collectifs sont actuellement très difficiles, sinon impossibles. Et je crois qu'il n'y a pas d'excuses et que l'on peut toujours trouver un moyen d'exercice physique, d'activité physique ou de sport. Professeur Saillant, on l'évoquait tout à l'heure, la santé physique, certes, c'est important d'y penser, mais l'aspect psychique, le manque de lien social quand on ne fait pas de sport, quand on ne peut pas en faire, on n'en parle pas assez, selon vous, de ces deux derniers aspects? Alors effectivement, quand on parle de la santé c'est une partie du bien-être. Et dans la santé, eh bien, il y a la santé physique, la santé psychique et la santé sociale. Et je crois que ces trois éléments sont très importants. Actuellement, on parle beaucoup de la déprime des étudiants, etc. On parle un peu plus de la santé psychique. La santé sociale, on en parle très très peu. Et en particulier pour les personnes âgées. Et vous disiez dans votre introduction que le sport, c'était une façon de guérir. C'est également, vous avez tout à fait raison, c'est également une façon de prévenir. Et on s'en rend compte actuellement où ceux qui ne font pas de sport dans un monde confiné, eh bien, ont des problèmes, soit physiques, soit psychologiques, soit même sociaux. Et c'est surtout valable pour l'aspect social pour les personnes âgées. Je prends un exemple, on ne parle que de ce qu'on connaît. À Biarritz, je suis originaire, on a créé Biarritz Sport Santé. Et il y a les parcours de la forme. C'est des parcours qui sont en ville, au bord de la mer, dans un jardin public, etc., sans aucune installation sportive, mais en se servant des bancs, en se servant des escaliers, en se servant du sable, eh bien, il y a des réunions tous les jours, en respectant les distanciations sociales, bien entendu, de gens qui seraient tout à fait isolés, qui auraient passé leur journée devant la télévision et sur le canapé, comme le disait Émilie, et qui là vont passer une heure et demie ensemble à marcher, à discuter et à avoir du lien social. Et ça joue beaucoup sur le physique, ils font plus de 30 minutes par jour, mais également sur la santé psychologique et sociale. C'est absolument pour moi fondamental et on ne peut pas dissocier les trois points. Voilà, 3 points très importants. Valérie Fourneron, allez-y. Oui, je crois que sur ce même registre, on le voit, comme le dit Gérard, particulièrement chez les seniors, on le voit aussi chez tous les actifs qui sont en télétravail.
chez les actifs en télétravail aujourd'hui, eh ben, au départ, il y avait un peu d'organisation nouvelle, etc. Et puis, évidemment, avec les semaines qui passent et les mois qui passent, c'est de plus en plus pesant. Mais ce qui manque, c'est aussi ce petit moment quand même du café, ce petit moment où on échangeait autre chose, ce petit moment où parfois construisait un projet d'ailleurs pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ce petit moment un peu décalé où on allait ensemble à la cantine, où on allait partir. Et ça, ce sont des éléments qui socialement manquent. Et les salariés aujourd'hui de l'ensemble de nos entreprises qui sont en télétravail, et tant, bon, il y en a beaucoup qui sont à 100% en télétravail ou une seule journée en présentiel, eh bien, il y a une grande souffrance qui est une souffrance aussi sociale des relations qui sont celles finalement qui équilibrent la vie de chacun entre son activité professionnelle, les relations sociales, son activité physique et bien sûr son lieu de vie personnelle. Et tout ça, ça fait l'équilibre de chacun. Qu'on soit finalement un enfant qui a besoin, je veux dire, de ses petits copains à l'école, qui a besoin dans son club de retrouver les autres, qui a besoin de l'activité physique pour se sentir bien, de ne pas être tout seul dans son coin à l'école, et chez les actifs en télétravail et bien sûr chez les seniors pour lesquels c'est un élément de relation sociale qui est absolument majeur de se retrouver, ne serait-ce que faire une marche, j'ai même envie de dire même jouer aux cartes, s'il faut aller se déplacer, même si on est évidemment assis, mais même jouer aux cartes. Et il faut pouvoir trouver, par exemple chez l'enfant, c'est ce que font les enseignants, même sur cette période, des activités qui mixent un peu la réflexion, comme peut faire la marelle hein, chez les plus jeunes, comme peut faire la corde à sauter, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'activité physique et puis une certaine coordination et un travail un peu de réflexion par rapport à l'activité physique. Tout ça, c'est simple, mais ça marche. Valérie Fourneyron, je vous redonne la parole dans quelques instants. Il me semble que Monsieur le maire, Marc-Antoine Jamais, voulait intervenir. Oui, Valérie a parfaitement raison, et comme le disait également le professeur Saillant, sur l'équilibre psychologique et individuel. Mais quand on est à la tête d'une ville, on note aussi que le sport est un facteur de santé collective, de santé du corps social, par la structuration qu'il propose. Vous parlez tout à l'heure d'associations, les moments perdus près d'une machine à café sont aussi des moments gagnés, tu as raison Valérie, près d'une piste d'athlétisme, le long d'un terrain. Et là, on sent que ça manque et qu'il faudrait en effet que, individuellement, chacun retrouve les 30 minutes. Je me souviens avoir dit à Valérie que je courais 20 km un dimanche. Elle m'avait dit quelque chose comme « t'es pas très malin, tu ferais mieux de courir 4 fois 5 km dans la semaine ». J'étais tout fier de dire à la ministre des Sports que j'étais pratiquement un des meilleurs sportifs de ce pays. Et elle m'avait rappelé ce que vient de dire le professeur Saillant également, « mieux vaut 30 minutes par jour » sur l'exemple du brossage des dents et de la brosse à dents, que je ne suis pas prêt d'oublier, donc je vais évidemment avoir un nombre soit bien. La santé collective commune, la structuration que propose l'association sportive, les bénévoles, les rendez-vous, les repères sont aussi, en termes d'équilibre psychologique, quelque chose qui nous manque profondément en ce moment. Ces rendez-vous, ces entraînements, ces attentes, ces espoirs. Et on voit, pardonnez-moi de revenir sur une histoire tout à fait locale, la Coupe de France de football a eu lieu il y a 3 jours à Val-de-Reuil. D'un côté Caen, une équipe qui arrivait encore à s'entraîner, à se voir. De l'autre côté, une équipe qui n'était pas mauvaise, celle de ma ville, mais qui n'avait plus pu s'entraîner, qui n'avait pas revu. Et on voit là qu'un certain nombre de mécanismes d'entraide, de solidarité, de connivence et de complicité, qui font également un corps social, qui font également la santé d'un pays ou d'une ville, manquent terriblement. Le sport est fondamental dans les relations sociales, dans la capacité psychologique de quelqu'un à atteindre cette vieillesse en bonne santé dont parlait le professeur Saillant, mais dans d'innombrables gestes de notre vie. Le sport et la santé, on voit que là, on a un manque terrible et je suis heureux que Émilie nous est donnée avec une chaise. Je vais immédiatement faire quelques acrobaties de telle manière que je rejoigne bientôt la Norvège pour prendre ma licence dans le même club qu'elle, mais je pense qu'elle est beaucoup plus forte que moi. Voilà. Monsieur le maire, j'en profite parce qu'on a une question justement sur l'organisation du sport. Est-ce qu'il faudrait que ce couvre-feu ne soit pas aussi strict et permette notamment aux enfants de poursuivre leurs entraînements avec leur club au-delà de 18h? C'est les mêmes questions que pour la culture. Qu'est-ce que c'est que le couvre-feu? Est-ce que le couvre-feu, c'est une limitation, c'est une interdiction, c'est un ennui? Non, c'est une diminution de la circulation. À partir du moment où on diminue le nombre d'endroits vers lesquels on se dirige, et c'est malheureusement cela, le télétravail, on ne se dirigera pas vers son entreprise, la diminution, la fin des lieux culturels et musées, on n'ira pas voir une exposition, c'est diminuer la circulation des gens et leur travail. Donc, je comprends tout à fait, mais je pense que nous avons malheureusement, sur la capacité à se contaminer sur un terrain de sport, le danger véritable par rapport à celui qui existe au travail ou dans la rue. Je pense que le professeur Saillant et le docteur Bourrez et le docteur Fourneyron auront probablement
des choses plus intelligentes que moi à dire, mais là, de limiter, il faut que chacun comprenne à Val-de-Reuil, que la limitation de la circulation individuelle, c'est la limitation de la contamination collective. On a moins d'occurrences sociales, on a moins de rencontres, on va dans moins d'endroits, on limite ses relations sociales, et c'est malheureusement le moyen, c'est celui que le gouvernement recommande, et donc comme maire je le suis, de diminuer les contaminations. Merci pour cette réponse à une question qui vous a été posée sur le chat. Continuez à poser vos questions. Je la comprends. Valérie Fournéron, je voudrais qu'on revienne sur le sport sur ordonnance. Vous avez été le moteur de cet amendement lorsque vous étiez ministre. C'était en 2015. Rappelez-nous ce qui vous a motivé à ce moment-là. Les choses sont assez simples. D'abord, la première cause de mortalité évitable, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est la sédentarité. Deuxième élément, nous cumulons depuis des années des études scientifiques qui nous prouvent que sur la grande majorité des maladies chroniques, vous avez une efficacité comme traitement de l'activité physique. Et pourtant, l'activité physique ne fait pas partie du parcours de soins de ces maladies ou ne faisait pas partie du parcours de soins de ces maladies qui sont donc extrêmement, extrêmement importantes puisque, je le disais tout à l'heure, elles touchent 11 millions de gens. L'INSERM a cumulé toutes ces études scientifiques en 2019 et publié, j'ai envie de dire, une conclusion sans appel. L'activité physique est un véritable médicament de prévention et de traitement des maladies chroniques. Les maladies chroniques les plus importantes sont les maladies cardiovasculaires, puis les cancers, le diabète et les maladies mentales sont les plus importantes. Aujourd'hui, si je prends le premier cancer de la femme, le plus fréquent, le plus meurtrier, le cancer du sein, à peu près 55 000 nouveaux cas par an, à peu près 12 000 décès par an. Eh bien, aujourd'hui, on a prouvé que l'activité physique dans le parcours de soins de ces cancers du sein permettait d'améliorer de façon très importante, jusqu'à 30 % la mortalité, de la reculer, de diminuer les récidives entre les études, c'est entre 25 et 40 %, d'améliorer ce qui est fondamental, la tolérance d'un certain nombre de traitements parmi les plus lourds, les chimiothérapies, de diminuer la fatigue. Et tout ça, c'est une évolution qui m'a conduite, évidemment, mais j'avais bien été formée par le professeur Saillant quand j'étais plus jeune étudiante, qui m'a conduite à vraiment mener une bataille, parce que finalement, l'activité physique dans notre environnement collectif et en particulier dans notre environnement des soignants, ce n'est pas un vrai médicament, ce n'est pas très sérieux, ce n'est pas assez sérieux. Et donc, c'est vraiment un peu de changement de paradigme de se dire que dans les parcours de soins, il y avait une efficacité de l'activité physique, pour peu qu'elle soit évidemment bien enseignée, pour qu'elle s'adresse, je veux dire, à des patients avec donc les qualifications requises, et pour qu'ensuite, une fois que cette prescription a été faite, elle puisse s'inscrire dans la durée. Et c'est ça qui est important aussi, c'est que les personnes puissent ensuite, je veux dire, poursuivre cette activité physique. Donc vraiment, il y a depuis donc cette loi santé de janvier 2016 maintenant, il y a la possibilité, le docteur Boez qui est avec nous ce soir va nous le rappeler, la possibilité pour les médecins traitants qui sont toujours au cœur du dispositif parce que c'est eux qui ont la confiance du patient. Vous savez, quand vous avez une patiente qui a une maladie grave, eh ben, elle a besoin d'avoir quelqu'un qu'elle connaît bien, qui lui fait confiance. Et ben, maintenant, les médecins traitants peuvent prescrire cette activité physique. Et je crois que c'est ça qui est extrêmement important, même si on a encore du chemin à parcourir. Merci Valérie pour ce point. On va s'intéresser dans quelques instants au professeur Boez et à ce qui se fait justement à Val-de-Reuil. Peut-être une réaction du professeur Saillant sur ce sport sur ordonnance et peut-être cette lenteur encore dans la mise en place, peut-être cette sensation que ça ne va pas assez vite et qu'on n'en prescrit pas encore assez du sport sur ordonnance. Alors, je pense que le docteur Boez va lui expliquer très bien puisqu'il l'a mis en place et ça existe déjà à Strasbourg avec en particulier la prévention tertiaire. Mais je pense qu'il faut bien expliquer que dans le sport sur ordonnance, c'est à la fois un mode de prévention primaire,
C'est-à-dire, si je suis en pleine forme apparente, mais un petit peu obèse, un petit peu hypertendu, etc., sans aucun signe clinique, donc je suis en bonne forme, si je fais cette activité physique, je vais prévenir des ennuis. Et puis, deuxièmement, comme vous l'avez très bien dit dans votre présentation, ça peut également guérir. Et c'est un traitement à la fois du diabète, à la fois de l'hypertension, à la fois de l'obésité, à la fois de l'infarctus, des séquelles d'infarctus, etc. Et tout le monde peut faire cette activité physique. Et je vois, je reprends l'exemple de Biarritz, on a une convention avec l'hôpital de Bayonne où tous les sujets qui sont traités pour cancer et qui le souhaitent ont ensuite cette ordonnance, ce sport sur ordonnance. Le problème, c'est qu'il faut que le médecin soit motivé et conscient de cet intérêt. L'ancien doyen de faculté que j'ai été le reconnaît, on n'a fait aucune formation dans ce domaine-là. Donc, il y a toute une formation à faire des médecins. Une fois que j'en ai conscience, je suis médecin, mais que je suis plus intéressé par le violon que par le sport, il faut faire une activité physique, mais honnêtement, je ne sais pas quoi. Donc, il faut qu'il y ait un intermédiaire entre le patient, le malade, le club, si vous voulez, dans un club ou lui-même, pour expliquer, en fonction de l'endroit où il habite, de ses appétences, de sa maladie, quel type d'activité physique. Donc, c'est multidisciplinaire et c'est pour ça que c'est compliqué à mettre en place. C'est un véritable réseau et en plus, si vous voulez, en France, on a beaucoup plus la culture du soin que la culture de la prévention. Et pour ça, on est très, très en retard et heureusement, Valérie a lancé les premières pierres pour ça. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire dans ce domaine-là, aussi bien la prise de conscience que l'aspect réglementaire qui nous entoure. On va s'intéresser, merci beaucoup pour vos mots, à ce qui se passe à Val-de-Reuil, puisque cette commune qui nous rassemble aujourd'hui développe le sport sur ordonnance depuis juin 2017 déjà, notamment grâce à vous, docteur Thomas Bourrez. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir été attentif sur le début de cette conférence. Vous êtes médecin généraliste à Val-de-Reuil depuis 2003 et coordinateur médical du dispositif donc sport sur ordonnance, acteur majeur de sa mise en place depuis 4 ans. Quand on parle de sport santé, ici dans votre ville de Val-de-Reuil, ce sport sur ordonnance, clairement, ça signifie quoi? À qui vous le prescrivez, tout simplement? Bonsoir à tous, merci pour cette conférence. Alors déjà, je veux remettre les choses à leur place. C'est à l'initiative de la ville de Val-de-Reuil, c'est, je dirais, le conseil municipal, le maire, qui sont venus à ma rencontre et à la rencontre du groupe de professionnels de santé territoriale que j'anime pour que nous puissions mettre en place sport sur ordonnance. Donc, c'est bel et bien, je dirais, les élus qui ont voulu qu'on puisse mettre en place cette dynamique. Et je dirais, nous n'étions pas des experts dans le domaine de sport sur ordonnance et clairement, notre dynamique relivaloise s'est totalement inspirée de la dynamique strasbourgeoise. Nous connaissons bien le docteur Fels, qui est à l'origine de sport sur ordonnance à Strasbourg, et il est assez rare pour le noter. Tout leur protocole, leur modèle d'ordonnance, la procédure, tout nous a été livré clé en main, et nous avons pu évidemment l'adapter sur la terre relivaloise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, pour nous, a été assez simple à mettre en place. Lorsqu'on a expérimenté, je dirais, c'est pour moi la plus belle innovation thérapeutique qu'il m'ait été de prescrire à ce jour, parce que ça change tout. Ça change vraiment notre relation de soignant avec le patient. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, faire un diagnostic de maladie chronique, on parlait donc du diabète, de l'hypertension artérielle, c'est pour parfois un patient qui ne se sent pas malade, un coup près, parce qu'il y a un chiffre qui lui tombe dessus en lui disant ben voilà, ça y est, vous êtes diabétique. Et bien, la seule chose qui nous est donnée comme traitement, ça va vous donner des médicaments. Voilà. Et alors que dans notre enseignement, nous apprenons que le premier traitement, c'est l'équilibre alimentaire et l'activité physique, eh bien, en tant que médecin de proximité, ces outils-là, l'accès à la diététicienne, par exemple, n'est pas remboursé par l'assurance maladie. Et l'activité physique, comme vous le disiez très bien, on ne considère pas ça comme un traitement. Eh bien, moi, j'ai cette chance, en tant que médecin, c'est que la ville de Val-de-Reuil nous a donné la possibilité de le prescrire et que ce soit aussi simple
que de mettre une ligne sur une ordonnance. Et donc maintenant, lorsqu'on fait un diagnostic de diabète, lorsqu'on fait un diagnostic d'hypertension artérielle, en premier lieu, je peux noter sur l'ordonnance, eh bien, aller contacter le dispositif. Il y a un numéro d'appel unique et le dispositif Sport sur ordonnance est proposé. Alors, nous avons ciblé pour l'instant les patients diabétiques et les personnes âgées au-delà de 65 ans qui sont sédentaires, qui n'ont pas d'activité physique. Et pour ces personnes, ça a vraiment changé leur vie. Alors, dites-nous un peu, quand vous dites changer leur vie, qu'est-ce que ça leur a apporté à ces personnes-là ? Donc, on l'a bien entendu, hein, chez vous, plutôt les personnes diabétiques ou les personnes âgées. Qu'est-ce que ça leur a apporté concrètement ? Donnez-nous des exemples, si vous pouvez, même si vous êtes tenu par le secret médical. Qu'est-ce que cela change ? C'est une toute autre perspective. À un moment où on nous rappelle que notre corps, je dirais, est une limite, que notre comportement, je dirais, fait porter un grand préjudice à notre santé, eh bien là, on va leur proposer déjà la rencontre avec un éducateur sportif. Chez nous, elle s'appelle Stéphanie. C'est une première rencontre, et pour dire à cette personne qui, évidemment, est à 100 lieues de pouvoir imaginer qu'elle peut faire du sport, eh bien, qu'elle puisse à nouveau refaire alliance avec son corps, y trouver du plaisir et se rendre compte qu'elle peut progresser dans son activité. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et de manière très simple, j'ai eu des témoignages de patients qui me disaient « Lorsque je suis assis au sol, je ne peux plus me relever. » Eh bien, grâce à les exercices qu'ils nous décrivaient avec une chaise, ils étaient capables de les faire. Ils pouvaient se lever de la chaise, ils pouvaient au sol se relever. C'est des choses très simples, mais ça change la vie. L'autre élément, c'est pour beaucoup, par rapport à une pathologie, lorsque on ne travaille plus, eh bien, on peut aussi s'isoler. Grâce à Sport sur ordonnance, et ça a été rappelé, on recrée du lien social avec des gens comme nous, qui ont les mêmes difficultés, et on ose dire parfois la difficulté qu'on a à marcher 500 mètres, 1 km, les difficultés qu'on a aussi à avoir une activité régulière. Et c'est aussi la particularité de Val-de-Reuil. Moi, j'ai vu des patients qui en tirent aussi une réelle fierté. Parce que lorsque vous pouvez faire du sport sur ordonnance et qu'à côté de vous, vous avez un champion olympique, que vous êtes sur le même terrain de sport que des grands sportifs, mais quelle fierté! Et je me souviendrai toujours une fois où j'allais rencontrer au stade Jesse Owens l'équipe, notamment Stéphanie et la responsable des sports de Val-de-Reuil. J'ai croisé plusieurs de mes patients, des personnes plutôt âgées, qui sortaient avec la serviette éponge autour du cou. Et là, j'ai vu des gens qui avaient fait travailler leur corps, qui en tiraient une vraie fierté. Et c'est vraiment ça n'a pas de prix. Donc, parfois, en tant que médecin, lorsqu'on fait un diagnostic, eh bien, on se dit, voilà, je vais lui imposer des traitements, je vais lui imposer des prises de sang. Ça va peut-être vous choquer, mais des fois, lorsque maintenant, je peux dire à un diabétique, vous avez un diabète, eh bien, je suis heureux de lui dire, j'ai un traitement pour vous, c'est le sport sur ordonnance. Et bon, diabétique, ce n'est pas si mal que ça. Vous allez voir, vous pouvez rentrer dans un dispositif qui va vous permettre, en fait, de retarder l'évolution de ce diabète. Donc, moi, en tant que médecin, je dis merci parce que ça nous facilite énormément l'accompagnement des patients. Thomas, je reviens vers vous dans quelques instants. Je donne la parole au professeur Saillon qui veut ajouter. Non, mais juste un commentaire. Ce que dit Thomas est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que, d'une part, le patient d'habitude, il est très passif. Il paye, pas très grassement, mais il paye son médecin. Donc, c'est votre boulot, vous devez me guérir, c'est votre boulot de me guérir. Et là, on lui fait prendre conscience que c'est à lui de se guérir. Et de passif, il devient actif et il devient acteur de sa propre guérison. Et ça, c'est une révolution pour le patient. On voit la même chose actuellement pour la nutrition. Quand vous voyez les gens au supermarché, ils commencent à regarder maintenant toutes les étiquettes, etc. Et si on les fait prendre conscience que la nutrition et l'activité physique, ça dépend d'eux et qu'on ne peut pas les guérir malgré eux s'ils ne veulent pas, mais qu'au contraire, s'ils sont partant pour, eh bien, ça va faciliter considérablement la tâche. Et ça, je pense que malheureusement, c'est une génération pour que ça passe dans les esprits aussi bien des médecins que des patients, même s'il y a des précurseurs, comme Thomas vient de le montrer.
Merci pour cette précision. Thomas, je vais avoir quelques questions sur lesquelles vous allez répondre très rapidement, mais des questions d'ordre pratique. Alors déjà, à Val-de-Reuil, ça concerne à peu près combien de patients ce sport sur ordonnance? Et est-ce que vous êtes le seul médecin à prescrire ou alors vous avez fait des émules autour de vous? Eh bien, bien entendu, non, je ne suis pas le seul médecin à prescrire parce que ce serait bien dommage. Je dirais, on a une association de professionnels sur l'ensemble du territoire, notamment de l'agglomération. Et je dirais, la ville de Val-de-Reuil, précurseur, je dirais, ne regarde pas le code postal dont sont issus nos patients. Et ça, c'est merci beaucoup parce que nous n'avons pas du tout à faire le tri. À Val-de-Reuil, des gens de Louviers, de Pont de l'Arche, de tous les villages viennent goûter à sport sur ordonnance. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, tous les médecins, je dirais, de notre association professionnelle ont prescrit au moins une fois sport sur ordonnance. Il y a des aficionados, mais vraiment, c'est un engagement de beaucoup de professionnels. Et à ce jour, on a eu un coup d'arrêt à cause, là encore, de la crise sanitaire, mais on était jusqu'à 140 personnes qui ont intégré le dispositif. Et à l'heure actuelle, on a un étudiant en médecine qui est en cours de thèse pour analyser justement l'impact sur le plan qualitatif de cette dynamique sur la vie des patients. Donc, actuellement, 140 personnes. 140 personnes et la plupart des médecins qui peuvent prescrire ce sport sur ordonnance. Moi, je suis une de vos patientes, docteur Thomas Bourrez. Est-ce que je peux vous réclamer d'être soignée avec du sport sur ordonnance? Alors, là encore, la dynamique sport sur ordonnance, il faut bien voir que c'est un moyen, je dirais, de se remettre en route chez quelqu'un, je dirais, qui est sédentaire, chez quelqu'un qui présente une pathologie. Néanmoins, lorsqu'on a commencé à goûter à cette dynamique, si vous me réclamez de faire une activité physique et vous n'avez aucune pathologie, maintenant que je les connais bien, je vais vous orienter vers le service des sports de la ville de Val-de-Reuil, vers toutes les associations qui sont la richesse de notre territoire. Et n'hésitez pas, vous aurez accès. Et c'est vrai que, notamment, on avait fait quelques propositions dans le sport sur ordonnance, notamment autour de l'obésité de l'enfant, et on n'a pas eu vraiment besoin de les faire rentrer dans ce dispositif parce que très vite, il y a une offre de sport dans la ville de Val-de-Reuil avec aussi un accompagnement social s'il y a des difficultés pour payer la licence, etc. Et donc, cette terre relivaloise nous permet quand même d'avoir assez facilement accès à l'activité physique. Donc, si vous me réclamez une ordonnance et que vous ne rentrez pas forcément dans le protocole, je dirais vous êtes dans le droit commun de l'activité physique et c'est très bien. Néanmoins, à l'heure actuelle, on considère, voilà, et on le propose sur une ordonnance pour les patients à qui on a fait un diagnostic de diabète ou, comme je disais, pour les patients au-delà de 65 ans qui ont, je dirais, qui sont sédentaires. Et juste avant, là encore, la crise sanitaire, nous étions en train d'élargir l'offre, notamment pour le sport après cancer et le sport aussi proposé pour certaines pathologies inflammatoires qui sont vraiment, je dirais, des traitements à part entière et qui pourraient accompagner bien mieux encore nos patients. Mais voilà, on a voulu progresser petit à petit. Vous parlez du sport après cancer, Thomas. Il est peut-être important de signaler, Valérie, qu'il y a aussi du sport sur ordonnance un petit peu autour de Val-de-Reuil qui s'intéresse justement à ces patients atteints de cancer. Il faut remettre votre micro, je pense, Valérie. Oui, pardon. Je crois que c'est effectivement extrêmement important qu'on puisse permettre tous ensemble, avec cette mobilisation comme celle qui se fait à Val-de-Reuil, de permettre à l' ensemble, je veux dire, des patients, des femmes, des hommes qui ont soit un facteur de risque, soit, je veux dire, une maladie comme un cancer et pour lesquels on sait que l'activité physique est un élément du traitement, qu'on puisse leur donner tout simplement cette chance et qu'il n'y ait pas d'inégalité d'accès, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons de territoire. Donc, cette organisation, elle est extrêmement, extrêmement importante que l'on puisse ainsi mailler notre territoire, comme on dit, et avoir finalement des offres comme celles qui existent aujourd'hui à Val-de-Reuil, avec peut-être un élément qui me semble important dans notre
organisation, c'est que le développement de la prescription de sport sur ordonnance, c'est une prescription. Ça veut dire que, ben, comme toute prescription, il y a un début et il y a une fin. Il y a un suivi par le médecin généraliste, puisqu'on dit que c'est une prescription, donc on, voilà, on accompagne, le médecin accompagne. Et puis, quand il y a une fin, l'objectif, c'est d'avoir donné envie à la personne qui est active vis-à-vis de sa maladie ou de son facteur de risque, eh ben, de continuer. Et là, on a le relais associatif. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, on a commencé à permettre à nos clubs sportifs, qui pour beaucoup réfléchissaient avant tout compétition, performance, n'ont pas abandonné ce secteur, mais ont développé d'autres sections. Développé des sections de sport loisirs ou pour des sports, je veux dire, pour des personnes plus âgées. Ou des... Donc, du coup, ont développé leur activité, ce qui veut dire pour eux, même si en ce moment, je pense beaucoup à eux parce que c'est difficile, mais des licenciés, des adhérents supplémentaires, voire de l'emploi supplémentaire avec des éducateurs sportifs qui vont finalement accompagner des patients qui ont d'abord eu cette prescription, qui ont des facteurs de risque et qui vont les emmener à les faire finalement dans leur club de la rando, qui vont les emmener faire autre chose, un autre sport, mais comme licenciés et comme finalement dans le droit commun. Et ça, c'est vraiment très important parce que socialement, c'est également très important. Et puis que sur le plan de l'efficacité thérapeutique, il faut que ça s'inscrive dans la durée. Il n'est pas question de faire les 3 mois, par exemple, de sport sur ordonnance si c'est 3 mois. Et puis derrière, si on n'a pas réussi à donner l'envie, si le patient n'est pas actif et qu'il s'arrête, eh ben, on n'aura malheureusement pas gagné grand-chose. Donc, il faut que ça s'inscrive. Et du coup, ce lien avec les clubs sportifs, cette évolution du mouvement sportif, elle est fondamentale. Et je crois que c'est une vraie chance pour tout le monde. Thomas Bourrez, pour rebondir là-dessus, vous avez converti, vous, certains de vos patients qui ont finalement terminé leur traitement de sport sur ordonnance et se sont licenciés dans un club pour continuer justement à pratiquer du sport. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que je dirais, nous avons eu quelques pertes en ligne, et donc c'est pour ça que parfois on peut être amené à represcrire, mais bel et bien l'enjeu c'est que le sport, comme le disait Émilie, puisse aussi devenir une activité, je dirais, obligatoire, comme le brossage des dents, je ne l'oublierai pas non plus celle-ci, de notre quotidien. Et clairement à Val-de-Reuil, on a cette chance, il y a une vraie offre qui existe. Un petit mot avec monsieur le maire qui souhaite intervenir. Oui, dans le droit fil de ce qu'a dit Valérie, de remarques sociologiques qui valent ce qu'elles valent, la première chose, un club sportif, c'est des bénévoles, des entraîneurs plutôt plus âgés qui entraînent des gens plutôt jeunes. Sport sur ordonnance, c'est l'arrivée dans les clubs sportifs, et on le voit dans les domaines hors stade, tu as raison Valérie, que ça, il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent, l'arrivée de gens plus âgés. Et d'une certaine façon, un rééquilibrage social, sociétal, du club sportif qui est atteint d'un jeunisme affirmé. La deuxième chose, c'est qu'il y a un miracle dans ce que dit Thomas Bourrest. C'est la rencontre entre une profession libérale, le réseau des médecins, l'association professionnelle dont il fait partie, et un service municipal. Le service municipal, quand il parle de Stéphanie, c'est Stéphanie Exili, c'est une jeune gymnaste, plutôt une athlète, tournée vers la compétition, tu avais raison de le dire Valérie, tournée vers l'entraînement des clubs, et soudainement, on propose à deux personnes qui n'ont strictement rien à voir, un médecin, un sportif, qui ont tout à voir, mais qui n'avaient pas automatiquement des choses à voir dans la cité, de se retrouver. Et ce miracle-là, et c'est pour ça que cette conférence est utile, et la force de conviction du professeur Saillant, d'Émilie Gomis et de Valérie Fourderon, absolument indispensable, se rencontre. Mais ça n'a rien de naturel néanmoins dans notre société. Nous ne sommes pas scandinaves. Le médecin est un peu de son côté. Thomas, vous êtes une exception qui en a entraîné d'autres. Le gymnaste, la gymnaste est de son côté. Et pour leur donner l'idée de se rencontrer, il fallait vraiment que ce dispositif sport sur ordonnance apparaisse. Mais il y a deux miracles. Le rééquilibrage des générations dans les clubs sportifs grâce à l'arrivée de ces patients qu'on nous envoie. Le deuxième miracle, c'est la rencontre entre un réseau de médecins et un service municipal qui ne sont pas faits pour s'entendre automatiquement. Merci pour cette précision. C'était important de le dire, effectivement, du rôle que joue chacun. Une question peut-être purement pratique se posent sans doute les gens qui nous écoutent. Est-ce que le sport sur ordonnance est remboursé à la fois par la Sécurité sociale? Est-ce qu'il est pris en compte par les mutuelles aussi? Professeur Saillant, Valérie, peut-être, ou Thomas Bourrez, je ne sais pas. Alors, non, Thomas. Allez-y, bon, Thomas. Allez. Très bien.
Alors, je dirais, là encore, véritable chance dans notre territoire, c'est que l'intégralité des frais, lorsque nous prescrivons sport sur ordonnance, sont supportés par la ville de Val-de-Reuil, c'est-à-dire les équipements et, je dirais, l'expertise de l'éducateur sportif qui accompagne les patients. Ensuite, je dirais, pour la rencontre avec les clubs, au moins sur la ville de Val-de-Reuil, il y a un accompagnement qui persiste avec une prise en charge partielle de la licence lorsque cela donne suite au sport sur ordonnance. Voilà, donc c'est l'accompagnement. Et nous sommes en réflexion pour voir comment est-ce que nous pourrions impliquer les mutuelles pour qu'elles puissent financer notamment avec l'élargissement éventuel pour d'autres pathologies. Merci pour cette précision sur Val-de-Reuil. Est-ce que c'est partout pareil? Est-ce que les communes, Valérie, peut-être financent de la même manière? Je crois que j'avais Gérard Saillant qui souhaitait intervenir, mais je crois que c'est à la fois la richesse de la période et à la fois aujourd'hui un petit peu sa limite. C'est-à-dire qu'on a de multiples expériences sur le territoire qui s'organisent autour de cette prescription de sport sur ordonnance. Et à chaque fois, on a un modèle financier un peu différent. Et du coup, on est dans un environnement qui ne permet pas, du coup, d'avoir une accessibilité pour tous sur l'ensemble du territoire. Alors, il y a effectivement deux portes d'entrée. La première, c'est la prescription. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu ça. Je pense que dans le texte réglementaire, il est dit que la consultation du médecin qui prescrit de l'activité physique n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. C'est quand même, je vais dire, presque une provocation. Alors, ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité, puisque évidemment, un médecin, quand il voit un patient, je vais dire qu'il prescrit de l'activité physique, qu'il prescrit un médicament, etc., il fait sa consultation et, je vais dire, il y a un remboursement de sa consultation par la sécurité sociale et la complémentaire du patient. Mais dans la réalité, c'est pour montrer quand même que dès le départ et encore aujourd'hui, on a du mal à inscrire vraiment cette prescription d'activité physique comme une vraie thérapeutique non médicamenteuse. Ensuite, il y a des prises en charge qui peuvent être très différentes, comme celle de Val-de-Reuil, ça existe dans d'autres communes, celle de Val-de-Reuil est particulièrement avancée, c'est la collectivité qui met à disposition son éducateur sportif. Et à partir de ce moment-là, du coup, je veux dire, les patients ont accès à cette activité, finalement, de façon gratuite. Les complémentaires, qu'elles soient mutuelles ou qu'elles ne soient pas mutuelles, les complémentaires, ben, elles complètent par définition, normalement, une base par la sécurité sociale. Pour l'instant, il n'y a pas de base par la sécurité sociale. Il n'y a pas, je veux dire, une tarification de cette activité physique. Et donc, il y a aujourd'hui besoin de réfléchir à un modèle de prise en charge qui est peut-être un modèle de prise en charge par des financements publics et des financements complémentaires de la structure et pas de chaque patient. Ou est-ce que c'est un forfait du patient pour l'instant ? C'est-à-dire que c'est encore quelque chose qui doit être en débat. Il n'y a pas de sécurité sociale au sens d'un grand cadre national actuel. Par contre, il y a des caisses locales qui acceptent de financer. Donc, il y a des initiatives locales, il y a quelquefois des complémentaires qui acceptent de financer les structures, il y a des assurances qui disent, vous avez dans votre forfait de complémentaire santé, dans votre mutuelle, un forfait pour l'activité physique si vous avez une maladie chronique. Donc, il y a plein de schémas. Aujourd'hui, c'est rare que ça soit, pour une raison financière, qu'on ne puisse pas accéder, mais on sent qu'il nous manque encore un cadre qui permettrait que finalement, il y ait une organisation collective où il y ait cette prise en charge assurée par tout le monde. Professeur Saillant, sur ce point, on sent qu'il y a encore du chemin à faire, qu'il a l'air encore long, et on sent bien dans ce que vous dites qu'il y a des inégalités aussi de territoire face à l'offre de sport sur ordonnance de sport santé. Non, comme le dit Valérie, il y a des grandes inégalités territoriales parce qu'il y a déjà des ARS, des agences régionales de santé qui poussent pour cette activité, d'autres qui ne pensaient vraiment pas la tête, le problème. Et donc, il y a autant de schémas qu'il y a de cas particuliers. À Biarritz, eh bien, c'est mixte, public et l'association qui finance.
avec un certain nombre de mutuelles et également. Mais je crois que ça ne peut être que à chaque cas particulier actuellement. Et il faut déjà une volonté politique. Il y a eu la volonté politique dans votre commune et je pense qu'il faut qu'il y ait la volonté politique du territoire, que ce soit la commune, que ce soit le département, que ce soit la région. Et puis ensuite, eh bien, il faut adapter. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est la question que vous posiez tout à l'heure, c'est qu'on a fait une étude sur le sport sur ordonnance où on finançait pendant 3 mois ou 6 mois et on a fait toute une étude pour voir ensuite si ces sujets-là continuent à faire une activité physique. Eh bien, on a plus de 80% qui continuent à s'inscrire dans un club. C'est vraiment une politique de dealer, c'est-à-dire qu'on paye les 3 premiers mois ou les 6 premiers mois et on leur paye cette début de licence, si vous voulez, et ensuite, c'est eux qui renouvellent. Eh bien là, je crois que c'est ça le très gros succès de ce genre d'opération, si on arrive à fidéliser. Si c'est un coup d'épée dans l'eau, one shot, ça sert, on sera fait plaisir, mais ça n'aura pas servi. Il faut véritablement que ça continue sur la durée, et là, l'intérêt des clubs est majeur, et les clubs, ils ne sont pas idiots, ils ont vite compris leur intérêt. Il fallait, à côté des sportifs de très haut niveau, à côté des sportifs de loisirs, accueillir ce genre de patients, de sportifs ou de sujets qui n'ont jamais fait d'activité physique et qu'il faut décomplexer pour les amener à en faire. À Val-de-Reuil, justement, vos clubs ont pris ce dossier en main sur le sport santé. Thomas Bourrez, monsieur le maire, vous êtes toujours avec nous. Vous avez des sections qui se sont créées justement spécifiquement pour ça. Il est clair que le club d'athlétisme qui s'appelle Le Vrac, qui avait à la fois des structures, c'est probablement en athlétisme, on a un plateau absolument extraordinaire qui avait déjà des habitudes de sport hors cadre, ou plus de facilité. Mais je vois ce qui se passe dans la natation, je vois ce qui se passe dans des sports de gymnastique, je vois ce qui se passe dans des disciplines de yoga. C'est véritablement quelque chose qui se répand et qui, en effet, fait basculer un sport d'un sport uniquement compétition ou d'un sport loisir et qui le rééquilibre en faisant arriver d'autres places d'âge, d'autres centres d'intérêt, d'autres volontés, d'autres raisons et d'autres objectifs. Je dirais aussi que Le sport de la santé pacifie le sport. Quand on voit arriver un ensemble de gens qui ont pour but de mieux vivre, de s'épanouir, d'être davantage dans un bien-être qui est celui d'un âge plus avancé, je pense que ça pacifie également les athlètes, les associés, les membres d'un club sportif qui sont parfois tournés vers la stricte victoire, la volonté de se dépasser, etc. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Oui, bien évidemment, les choses se répandent. Dans une ville très jeune comme ça, en plus, c'est très observable. Cette ville a été créée à 50 ans, donc les gens sont en train de vieillir avec moi. Moi, j'ai 62 ans, donc je me sens tout à fait concerné par le sport, ma santé. Je commence à devoir le faire, et on voit que la ville vieillit et qu'elle a besoin, elle passe des étapes, elle passe des générations. C'est arrivé au bon moment. Émilie Gomis, on l'a dit, vous vivez aujourd'hui en Norvège. Qu'est-ce que vous observez là-bas, justement, sur tout ce qu'on vient de dire depuis une heure? Est-ce qu'on prescrit le sport sur ordonnance aussi? Quelle est la pratique? Quelle est la philosophie? Émilie, il faut rallumer le micro. Pardon, vous m'entendez? Oui. Alors, ici en Norvège, je découvre une autre culture et c'est vrai que le sport ici est très proche de la nature, une ville nordique et les gens ici bougent énormément et sont beaucoup à l'extérieur. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas trop d'informations sur le sport sur ordonnance, mais je sais que les personnes âgées sont beaucoup actives et on le voit comme Madame Fourniron, je pense que c'est vous qui l'avez dit, que dans les pays nordiques, les gens vivaient mieux, vivaient plus longtemps. Et je le confirme, tous les week-ends, ils ont des petites habitudes, des routines à faire de la randonnée. C'est vrai que le pays il s'y prête bien. Et je me suis un petit peu mis à la randonnée, à la marche nordique, comme quoi les gens autour de soi, quand on se rapproche un peu de la communauté, bah, on se laisse un petit peu embarquer dans le mouvement. Et ici, c'est totalement une autre mentalité, mais parce que l'environnement aussi s'y prête. C'est vrai que quand on est dans un environnement assez vaste comme la Norvège, entouré de montagnes, on profite pleinement du sport. Donc, c'est un changement total et je vous avoue que c'est très agréable de passer de la salle pendant 20 ans et de pouvoir faire du sport extérieur en faisant tout simplement des choses simples. C'est plus le sport de haut niveau qui m'attire. Je suis passée par 3 phases. J'ai commencé toute jeune en faisant
une activité physique pour le plaisir, voilà, vraiment pour garder ce lien social et rencontrer mes camarades. Je suis passée par le haut niveau et j'ai pu voilà, voir un peu ce que c'était l'exigence et de pouvoir me confronter au meilleur. Et puis après, je suis passée par une activité physique qui était plutôt une approche thérapeutique. Et qui m'accompagnait pour juste mon bien-être et ma remise en forme. Donc, j'ai fait ces trois phases-là et je peux vous assurer que la dernière est plus agréable et m'apporte beaucoup plus voilà, à l'heure actuelle. Et vos genoux, Émilie, qui ne sont pas passés entre les mains du professeur Saillant, vous remercient aujourd'hui de faire un peu du sport plus calmement. C'est ça. C'est vrai que l'excès du sport des niveaux n'a pas que du bon. Mais bon, ça, c'est des choix après d'athlètes de haut niveau. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, oui, le mouvement, c'est pour ça que j'insiste. Je parle pas de moins en moins du sport, mais juste le mouvement, le fait juste de bouger. Et c'est vrai que les 30 minutes d'activité sont énormes. Moi, je le constate, juste les 30 minutes d'activité, monter des escaliers deux par deux ou juste s'aérer et de pouvoir marcher 30 minutes ou de faire du vélo ou de descendre un arrêt de bus avant, ça change vraiment énormément. Donc ça, c'est des petites routines que j'ai commencé à mettre en place et malgré que je sois une athlète, ça ne change rien. C'est des bases que tout le monde devrait avoir en fait pour pouvoir avoir une vie assez équilibrée et en bonne santé. Merci beaucoup. Effectivement, hein, ça c'est à la portée de chacun de descendre du bus un peu plus tôt ou de monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Pour terminer, j'ai peut-être une dernière question pour le professeur Saillant et puis peut-être que Valérie aura aussi un mot. Les gens qui nous écoutent s'inquiètent évidemment de la période post-Covid et de cette façon dont on va se remettre de tout ce qu'on a vécu, à la fois, vous l'avez dit, socialement, psychiquement, mais aussi au niveau de notre santé pour celles et ceux qui ont attrapé ce virus. Comment faire pour, je vous lis la question hein, telle qu'elle a été posée, pour impulser à nouveau le désir et la pratique du sport au moment de la sortie de crise, réhabituer le corps à bouger aussi après cette longue période sédentaire. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais on le sait et on l'a dit, le sport peut aider aussi à se remettre de ce virus et de l'affaiblissement du corps, parce que ça a été vraiment ça hein, quand on a été malade. Alors, je dirais que la crise du Covid, pour être provocateur, elle a deux ou trois avantages. Premièrement, elle a comme avantage d'avoir montré en 4 mois d'un laboratoire expérimental ce que représente la sédentarité que l'on mène depuis 20 ans, 30 ans, etc. Et donc, ça a amplifié quelque chose que un certain nombre de personnes ignoraient. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de l'intérêt, entre guillemets, excusez-moi de ce mot, de cette crise, ça a bien montré que les gens les plus fragiles sont les plus atteints. Je ne parle pas de ceux qui ont 95 ans et qui, ça a été malheureusement la goutte d'eau qui de trop. Mais je parle des gens de 40, 50, 60 ans qui avaient ce que l'on appelle des maladies associées, qui avaient un certain nombre d'hypertension, d'obésité. Eh bien, on montre bien que l'activité physique, c'est, je dirais pas que c'est le vaccin du Covid, mais c'est la meilleure façon d'augmenter ses défenses immunitaires. Et donc ça, c'est un élément très important. Enfin, pour répondre à votre question, je crois que quand on manque de quelque chose, eh bien, on se rend compte de tout le bonheur que l'on avait avant que l'on manque de cela. Et quand vous êtes confiné, vous dites « mais je ne me rendais pas compte du bonheur que j'avais allé aller me balader pendant 3 km alors que j'ai le droit de faire qu'un kilomètre. » Et on n'a que cette envie-là. Et puis on s'aperçoit que quand le confinement disparaît, cette envie, elle retombe un petit peu. Ça dure 8 jours et puis au bout de 8 jours, les bonnes résolutions disparaissent. Et je crois que c'est là, c'est cette période de post-Covid qui va être très, très importante, où on doit, nous les médecins, comme le montrait Thomas tout à l'heure et chacun d'entre nous, on doit inciter nos patients, les journalistes doivent inciter, les clubs doivent inciter, tout le monde doit inciter les patients à dire, pas les patients, les sujets à dire, faites cette activité physique, elle est toujours possible, quel que soit votre handicap, quelle que soit votre maladie, et même et surtout si vous n'en avez pas. Et ça, je crois que cette période va être très critique à la sortie, parce qu'on va vouloir
retourner dans les restaurants, les magasins, les cinémas, c'est une très bonne chose. Il faut également retourner sur les stades ou dans la campagne, comme le disait tout à l'heure Émilie en Norvège. Eh bien, on l'espère en tout cas que cette sortie de crise sera synonyme de reprise du sport et des activités physiques, quelles qu'elles soient, pour chacun et chacune d'entre nous. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Merci à nos intervenants. C'était vraiment très riche de vous entendre sur ces différents sujets, d'avoir cet exemple de Val-de-Reuil où ce sport sur ordonnance, eh bien, visiblement, il fonctionne très bien. Merci à tous pour votre attention. Merci pour vos questions. J'en aurai peut-être une toute petite dernière pour Monsieur le maire et puis je vous laisserai conclure. On nous demande s'il y a déjà des choses prévues pour la journée olympique du 23 juin. Alors, monsieur le maire, est-ce que vous avez déjà planché sur la journée olympique ? On n'a pas encore planché, mais on a l'intention de manifester une fidélité à Tony Estanguet comme il en connaîtra peu. Donc, il voit Paris 2024, il ne se séparera pas de Val-de-Reuil avant juin-juillet et la cérémonie d'ouverture. Donc, véritablement, nous ferons quelque chose. Le but, c'est de se montrer bon élève, Gaël. C'est de montrer qu'à chaque fois que Paris olympique aura besoin d'un sentiment hexagonal, d'un sentiment national, d'une convergence, on sera là parce qu'on espère accueillir, terre de jeu, un certain nombre d'équipes. Conclure, moi je ne conclurai pas, je dirais que je suis bavard normalement. Et d'entendre Gérard Saillant, Valérie Fournéron, Émilie Gomis, Thomas Bourès et vous Gaëlle, c'était un plaisir. Donc je me suis tu et j'ai écouté des choses intéressantes dites par des gens sympathiques qui enseignaient à chacun comment mieux vivre. Et je pense qu'après tout, nous n'avons pas perdu cette heure à entendre des gens aussi avisés, aussi sages, nous dire des choses aussi essentielles. J'en suis très heureux. Je voudrais les remercier. Ce n'est pas naturel qu'ils soient à cette conférence. Ils y sont. Ils ont été au rendez-vous de Val-de-Reuil et de Terre de Jeu, d'une certaine façon de Paris 2024 aussi. Je leur en suis très reconnaissant à titre individuel et collectif. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour ces quelques mots. Merci à vous tous d'avoir répondu à cette invitation, à tous ceux qui nous ont écoutés. Monsieur le maire, on vous a fait rater le début de votre réunion, mais vous allez y aller en courant et vous allez ce moment. Merci à tous, c'était un plaisir d'être avec vous. Faites du sport, bougez un petit peu, beaucoup comme vous voulez, mais en tout cas, ne restez pas assis, hein, on l'aura bien compris depuis tout à l'heure. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes nés pour bouger. Nés pour bouger. Merci. Au revoir, merci.